T'étais où le 19 février 2008? Vous étiez où lors de la plus grande remontée de l'histoire du Canadien de Montréal face aux Rangers de New York? Moi, j'étais dans le sous-sol chez mes parents. Puis quand Chris Drury a fait 5-0 New York, j'ai abandonné. J'ai changé de poste jusqu'à ce que mon père vienne me dire que Ryder vient d'en marquer deux puis que c'est 5-2. Je le croyais pas, mais non, il avait raison. Puis c'était 5-3 ensuite, 5-4, 5-5. Quand Alex Kovalev a marqué le but égalisateur à la fin de la troisième période. Après ça, en séance de tir au but, un but de Sako Koivu et le poids du Centre Bell qui repose sur les épaules de Christophe Allouet qui doit arrêter coup sur coup Shanahan, Drury et Jaromír Jagr. Puis a accepté de revenir avec nous pour revisionner cette séance de tir au but puis nous partager qu'est-ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. Le truc, c'est que c'est Jaromír Jagr en face. C'est vraiment la méga star. Jaromír Jagr. Il faut que je l'arrête. Dans ma tête, c'est juste ça. Voilà, après, il a échappé. Tant mieux pour moi, tant mieux pour un Canadien. Je dois dire que sur ce move-là, j'ai été battu.